Allez, troisième partie de ce quatrième épisode. Ah oui. Oh, il continue à avoir des questions. J'ai retiré un effet spécial de l'équation parce que je pense que ça va être ça. Salut. Protéger et servir. Ah non. C'est notre devise. Bah mince, ça me dit les voies, si je... Le chêne et la crosse est un bel établissement, mais cette talasma est une vraie bêcheuse, si vous voulez mon avis. Oui, j'ai entendu parler de lui. C'est un soldat de la cité impériale, non? Ou un garde? Adieu. Mais si c'est le dit château, sur ma carte en dehors des fortifications, à quoi ça correspond? Le château de Battlehorn. Bon, bah c'est bizarre. Je vais mettre ma tenue classe, histoire de bien paraître. Oula, 9 images secondes, c'est qu'il y a du peuple à la cour. Oulala. Comment allez-vous? Non mais ça va bien. Excusez-moi, je suis de service. Ah non mais je comprends. Au revoir. Oh là là, il y a trop de monde. Ordonnez et prospère. J'ai 10 images secondes. Tout cela, c'est grâce à la comtesse Ariana, à ses assistants et à... Bonjour, je suis Leith Wavrick, grand héros et serviteur de la comtesse Valga. Bienvenue à Corral. Non mais je suis désolé, mais ça m'insupporte. Il faut que je vire le filtre. Finalement, je pensais bien faire, mais c'est une erreur. A l'inverse, je vais peut-être remettre le compresseur. C'était peut-être un bon choix. Attendez, minute papillon. On va voir ce que ça donne. On est d'accord, ça continue à enregistrer. Oui, on est d'accord. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, la comtesse Valga. La comtesse est visible. Veuillez respecter le protocole habituel. Non mais j'ai un bug sous Linux, c'est pas possible. Ou alors il faut que je retire tous les filtres. Soupir, soupir, soupir. Voilà, j'ai désactivé tous les filtres. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Des rumeurs? Il y a beaucoup de chiens dans cette ville, et des moutons aussi. Personnellement, je préfère la viande de mouton. Faudrait peut-être pas que je relance le jeu quand même. Oh tant pis, on verra ça au prochain épisode. Je continue. Que pensez-vous de ça? Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail pour certains. Vraiment? J'ai entendu dire que quelqu'un s'était introduit dans la guilde des mages. C'est tellement triste. Sans le moindre doute. Vous avez des nouvelles des autres provinces? J'ai cru comprendre que le culte voué aux Dédras était devenu de plus en plus important dans l'archipel de l'automne. On dirait que l'archipel de l'automne est devenu un endroit très dangereux. Au revoir. Adieu. Bonjour. Bonjour. Ah, votre Altesse. Enchantée de vous rencontrer. Je suis la comtesse Valga de Corol. J'aimerais avoir le temps de discuter, mais je suis en pleine enquête. En pleine enquête?
Vous avez l'air d'une personne de confiance. Peut-être pourrez-vous m'aider. Quelqu'un semble avoir volé un objet auquel je suis très attachée. Je veux que vous m'aidiez à retrouver un tableau volé. Le tableau représentait mon amour perdu, le comte Valga, et a été volé dans ma chambre. Si vous retrouvez le tableau et traduisez le voleur en justice, vous serez richement récompensé. Qu'est-ce que vous en dites ? J'accepte. Très bien. Je vous suggère de commencer à rassembler les indices. Et je vous avertis, n'accusez pas un innocent si vous voulez éviter ma colère. Voici des clés. Elles devraient vous permettre d'entrer dans de nombreuses zones d'accès limitées du château de Corolles. Waouh ! Faut que je fouille le château. À quoi ressemblait déjà le tableau volé ? Ce tableau est tout ce qu'il me reste du comte. Je passe bien des nuits sans sommeil à espérer que mes paroles seront entendues, qu'elles n'atteindront pas seulement des pigments et une toile sans vie. Je comprends. Je vais enquêter, comtesse. Bonne chance, enquêteur. C'est que c'est grand. Je sens que je vais m'y perdre. Je pense pas que je puisse trouver quoi que ce soit. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Il n'y a rien de suspect par ici. Ah ! Ah non, c'est un livre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah bah c'est la... Waouh. Cette chambre est plus grande, ce sont les appartements privés de la comtesse. Ah mince, j'ai pas le droit d'y aller, pardon. Comment allez-vous ? Comme on coche.
reconnaître qu'on n'y voit pas grand chose par ici. Ah! Il y a une trappe. Ah, apparemment, il y a encore une autre trappe. Tiens, 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 c'est intéressant. Et je suis où par ici? Ah ouais! Ah d'accord. Non, il n'y a rien de suspect. Ça mène à où? C'est encore une autre réserve. Oh! Peinture inhabituelle. Ouais, c'est le... C'est la cathédrale de Corol. Un pinceau. On peut interagir avec la peinture, mais là je n'en ferai rien. Étrange. Ça semble en désordre. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Je m'informe sur un tableau volé. Le tableau volé représente le comte Valga. Celui qui l'a peint ne lui a pas rendu justice. Il était bon et noble, ce qui est difficile à représenter en peinture. Je crains de ne pas avoir d'autres informations à vous donner. Au niveau de cette enquête... Oui, j'ai entendu dire que le tableau du comte avait été volé. Je ne savais pas qu'elle avait engagé un étranger pour conduire l'enquête. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Jusqu'à votre retour. J'aimerais passer, s'il vous plaît. Je suis en inspection. Je me méfie de tout maintenant, même ce qu'il y a derrière les meubles. Tiens. Je cherche ce même enfoncement dans les murs. Bonjour, camarade magicien. Camarade magicien. Tiens, pourquoi la table est-elle renversée? Étrange. Ah, il y a un grenier, d'accord. Oh là là. Ah, il y a quelque chose d'étrange d'observer. Bienvenue, détective. J'espère que l'enquête se passe bien. Revenez me voir quand vous aurez trouvé le coupable. Non, j'ai pas trouvé le coupable, mais je rassemble des indices. Le mieux serait de parler aux habitants du château. Une fois que vous aurez découvert tout ce que vous aurez pu, cherchez des indices physiques. J'ai un étrange indice physique.
Bonne chance, enquêteur. Je vous écoute. Quelle est la raison de votre présence? L'enquête. J'ai passé toute la soirée avec la comtesse. Je n'ai rien vu. Au revoir. Enchanté de vous avoir rencontré. Ah merde, c'est un mec. Je croyais que c'était une femme. Merde, la boulette. Mon travail repose sur la surveillance du trône et l'assistance des visiteurs. Mais, entre vous et moi, je dois admettre que Orgnolf se comporte de manière un peu étrange. Sa consommation d'alcool a augmenté ces derniers temps. On l'a surpris, demandant de l'argent pour acheter des spiritueux. Un salaire de portier ne suffit pas pour alimenter son vice. Alors, Lord Warwick, le héros du château, m'a dit qu'Orgnolf avait un problème d'alcool et qu'il avait souvent besoin d'argent pour en acheter. Adieu. Adieu, adieu. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir l'étage inférieur. Ça, c'est la cuisine. J'aurais cru, mais... Salut! Que voulez-vous? Je n'ai pas assez confiance en vous pour vous révéler des détails concernant le château. Posez-moi de nouveau la question, quand on se connaîtra mieux. Oh, il est tout sauf aimable, lui. Au revoir. Déjà, je l'apprécierais de le voir à la lumière, encore que nous n'avons rien fait. Mais bon. Que voulez-vous? Te rendre plus aimable. Dites ce que vous avez à dire. Alors, pendant chaque tentative de persuasion, il faut admirer, se vanter, plaisanter et contraindre. Chacune des actions augmente ou diminue l'humeur du personnage non-joueur. Et ne tardez pas, l'humeur du personnage non-joueur diminue constamment. En mettant en surveillance une action possible, le visage du personnage non-joueur montre sa réaction. Il va adorer, aimer, détester ou haïr chaque action. Son humeur s'améliore si vous sélectionnez une action qu'il adore ou qu'il aime. Elle diminue si vous sélectionnez une action qu'il déteste ou hait. Le gain ou la perte potentielle de chaque action dépend de votre éloquence et du remplissage de la portion de roue. Essayez de sélectionner des portions plus remplies quand elles correspondent à des actions appréciées par le personnage non-joueur. Essayez de sélectionner des portions moins remplies quand elles correspondent à des actions qu'il n'aime pas. Ah là là. Ouais, ok. Ah mais non, mais j'ai pas commencé le jeu. Et alors? Comme, je sais pas ce que ça veut dire. Hein? Se vanter. Vraiment? Intéressant. Contraindre. Vous ne me faites pas peur. Alors je l'admire. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Je plaisantais. C'est super. Comment ça s'est passé déjà? Bon, il aime bien les plaisanteries. Pour moi, vous n'auriez pas dû. Oh. Ah merde, j'ai donné du pognon. Oh, je plaisante. Non. Se vanter, il aime pas. C'est remarquable. Ah si. Admirer, il aime pas non plus. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Contraindre, c'est pas son truc. Vous gaspillez votre salive. Les plaisanteries, il adore. Elle me plaît. Beaucoup. Ah bah voilà. Allez, je tente encore un coup. Ça il aime pas, donc je vais pas le faire maintenant. Se vanter. Bien joué. Plaisanter. Oh c'est génial. C'est vraiment trop. Ce ne sont que des paroles en l'air. C'est vraiment ridicule. Non, alors là j'ai rien réussi. On recommence. Ne dites pas n'importe quoi!
prendre, il aime pas. Plaisanter, il adore. Alors je vais faire ce vent. Laisse-moi pouvoir en dire autant. Plaisanter. Elle me plaît. Beaucoup. Ah, je termine sur un truc qui est pas bon. Vous ne me faites pas peur. Ah. Elle me plaît. Beaucoup. Bien joué. Vous ne me faites pas peur. N'essayez pas de me manipuler. Mince. C'était pourtant ce que j'essayais de faire. Je voulais atteindre 50%. Oh là 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 là. Vous ne me faites pas peur. C'est super. Comment... C'est remarquable. Ni maintenant, ni plus tard. Ah. Jamais. Oh, c'est génial. C'est vraiment trop. Inutile de gaspiller votre salive. La flatterie ne prend pas avec moi. Ce ne sont que des paroles en l'air. Bien joué. Vraiment ? Merde. Quelle histoire ! Ah ! C'est super. Ni maintenant, ni plus tard. J'ai tout jamais. À l'envers. Mince, on recommence. Ce ne sont que des paroles en l'air. Ah, je suis coincé. C'est super. Comment ça s'est passé déjà ? Quelle histoire ! C'est vraiment ridicule. Non, c'est une catastrophe. Quelle perte de temps. C'est une catastrophe. Non, mais non, mais tais-toi. Partez ! Ah. Oui ? On y croit. Allez, à la base, je suis. Faites là. Vite. Mais non, mais j'ai déjà lu. Je suis à 33, on peut le faire. D'où est-ce que vous tenez ça? C'est bon, c'est inutile de gaspiller votre salive. La... Bien joué. Vraiment? Voilà, ça c'est pas mal. Très bien, pigé. Je n'ai pas assez confiance en vous pour vous révéler des détails concernant le château. Il est chiant, faut que je continue de séduire. Oui? J'aimerais pouvoir en dire autant. Oh, je vous en prie. Oh, c'est génial. C'est vrai. N'essayez pas de me manipuler. Ah, pas mal. Je refais encore un tour. Je vais atteindre 50. J'aimerais pouvoir en dire autant. Vous gaspillez votre salive. C'est super. Ne dites pas n'importe quoi. Yes. Je suis avec vous. Complètement. On n'est pas assez confiance en vous pour vous révéler des détails concernant le château. Mais si je recommence un coup, là, je vais l'épouser. C'est pas possible, on va se paxer tellement qu'il va avoir le coup de foudre. J'ai tellement monté dans son estime. Des rumeurs ? Je me sens en sécurité à Corol. Après tout, le responsable de la guilde des guerriers réside en ville. C'est dire. En parlant de Corol. Connaissez-vous Redal Djeman ? Le gars qui habite à l'ouest de Corol. Je l'ai vu à Chedinal récemment. Je lui ai dit « Salut !» et il a fait semblant de ne pas me connaître. Ça m'a plutôt irrité, et je ne lui ai pas parlé depuis. Mais je me demande, est-ce qu'il faisait vraiment exprès de faire l'idiot, ou est-ce que quelque chose n'allait pas ? Ouais, écoute, je sais pas. Bref, les indices, tu veux toujours pas parler. Je n'ai pas assez confiance en vous pour vous révéler des détails concernant le château. Ah, il va me rendre fou. À bientôt. Oui ? Je peux pas retenter de le séduire, là ? Je vous écoute. Ah non, je peux pas. Je laisse tomber. Au revoir. Oui, au revoir. Nous sommes toujours de service. Oui, j'en doute pas. Des informations, peut-être, non. Le chêne et la crosse est un bel établissement, mais cette talasma est une vraie bêcheuse, si vous voulez mon avis. Au revoir. Allez-vous ? Parfait. Il faut reconnaître qu'il fait bon vivre ici. Les gens sont très sympathiques, je pense. Non, monsieur. Bonjour. Non, mais là, il n'y a personne.
grenier que j'ai toujours pas visité ici, non? Il n'y a rien derrière les caisses, non? Bonjour! 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 Catastrophe. Oh, incroyable, mais même j'ai réussi. Oh, des statues dans sa pioule. Stylé. Délire, mais je vais pas sauvegarder, essayer de faire sauter le coffre à lui. Alors, oh là 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 là, magnifique. Quoi? Elle est pauvre. Un anneau en laiton, mais c'est nul. Quelle déception. Je me demande si je vais pas... Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de reprendre l'enregistrement si le son n'a pas sauté. Sinon, j'arrête là pour aujourd'hui, tant pis. Mais c'est vrai que c'est vraiment pénible, cette histoire de son qui sature, surtout au niveau des voix. C'est pas normal et j'en suis navré.